lettre à ma descendance. Cela fait maintenant quelques années que l'épidémie de la cuisse rouge fait rage auprès du peuple, forçant ainsi les gens à s'amputer la jambe. Les premières victimes du rire, qui ont commencé à se taper sur la cuisse suite à un gag, ont été aperçues en 1779 pendant la première de la pièce de théâtre « Brou ». Jusqu'à ce jour, aucun remède n'a encore été trouvé. C'est pourquoi j'espère que mon témoignage influencera les futures générations à cesser d'être joyeux pour ainsi pouvoir marcher de la vie. Puisque l'épidémie s'étend d'un continent à l'autre chez tous les francophones, nous soupçonnons les commerçants canadiens-français d'être l'élément de transmission de cette trop grande joie de vivre. Méfiez-vous des symptômes, le rire et le plaisir. Et c'est comme ça que mon arrière-arrière-arrière-grand-père a perdu ses deux jambes et c'est depuis ce temps-là que les hôpitaux débordent. Excusez-la!